ça. Je pense que le cœur, c'est quand l'endurance qu'on a, je sais pas du tout. Bon. Je tourne un épisode 30, 40 peut-être là. Je sais pas à quel épisode je suis. Et j'ai jamais vu remarquer le cœur. Allez, allez, il faut qu'on aille Hector, qu'on aille faire chapitre 4. On va essayer de trouver tous les trésors en direct. Ce serait cool ça. Que je vous fais tous les trésors en direct, pas besoin de faire en off. Et aussi pourquoi pas tous les objets, même si les objets c'est improbable que je vous fais. Et sachez que en off, j'arrête, j'ai pas fait chapitre 3 pour faire en off tous les objets. Oh, ok, là il y avait un marchand. Ouais, hop, oh, c'est vrai, faut qu'il y ait encore. Bon. C'était quartier sud. Ok. Je peux passer. Ouais, mais là on peut pas passer par le. On va sauvegarder là. On peut pas passer par le marchand de. Par le marchand. Là, c'est pas par là qu'il faut aller. C'est vraiment. C'est pas grave là-bas. S'il me voyait pas, il me voyait pas, je sais pas, c'est magnifique ça. Ah ouais, mais c'est pas pour rien du tout. Ok. Allez, vas-y. Voilà, sommet, moi c'est pareil. Allez, barre-toi, 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 barre-toi. Et je me barre en glissade, pas en courant, pour pas faire de bruit. Ils vont le découvrir, mais ce n'est pas grave. De merde. C'est vrai, faux. Ah si, ça se trouve c'était. Que je me rappelle. C'est pas en haut là où j'étais en plus. Je crois. Ah, je me rappelle plus. Ah oh, putain, je me rappelle pas plus. Ici en plus, c'est pas là-bas. Moi comme un con. Et je fais n'importe quoi les mecs. Allez vas-y passe, passe, saute, saute, saute. Oh, hop. C'est pas là peut-être, je sais plus. Non, chapitre 1. Non, 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 non. Je veux pas chapitre 1. Je suis con, c'est à la maison des pivoines qu'il faut aller. À côté du chapitre 3, je crois. Je sais plus. Ouais. J'ai un boulet. Ah, c'est ça quand on fait des pauses entre les sessions. Je me perds vite dans le jeu parce que en jouant à d'autres jeux. Non, c'est bien que ce soit par là. Ah, je suis en mais non, mais si, c'est. Et je suis vraiment désolé. Là, j'ai fait un peu. Ouh, tu vas savoir de qui je parle. C'est un youtubeur. Et j'ai fait un peu mon gars. Alors, j'ai rigole, mais. Parce que, de toute façon, quand tu joues, et quand tu commentes, et tu joues en même temps, tu deviens teubé. Que j'étais pas totalement concentré sur le jeu et sachant que je l'ai fait 50 000 fois, pas 50 000 fois, j'ai quand même fait souvent ce trajet là. Et il faut que je me retape. Ah non, les gars, j'ai quand même assommé. Puis ils sont tous en alerte, bien sûr. Il faut que j'aille à gauche. C'est ça, il faut aller à gauche. Le casque que j'ai glandé et essayer de grimper, je sais pas où. Il faut que j'aille tout à gauche, pas là-bas. Et à droite, parce qu'il faut grimper. Allez, j'aime pas courir, mais on va courir quand même. Voilà, clairement, là, il faut monter là, là. C'est la transition. Je crois que tu puisses montrer que je retrouve comment monter. C'est tout simplement. Tout, que je réfléchisse. Que je réfléchisse, hop. Voilà, hop,
Non. Non. C'est pas du foutage de gueule. Pas un peu plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Pourquoi il y a ça là, là? Il doit y avoir un truc là. Ok. Allez, oh là là. Je sais qu'il faut aller là. Hey. Oh, c'est pas le soir. Je vais peut-être pas commencer la session ce soir. Je suis un peu teubé. Bon, voilà, on a vite Vector. Et nos épisodes, on a enfin réussi Vector. On va lui donner le truc. S'il nous donne une troisième quête, on va l'accepter. Mais on la fera pas tout de suite. On la fera après le chapitre 4. Espérant qu'il va pas nous donner une troisième quête. Et espérant qu'il nous donne une récompense. Ce serait très intéressant d'avoir une récompense. Bon, allez, vas-y. Hop. Ouais, j'ai déjà fouillé là. Il y avait un coffre fort, il faut que je monte. Et on se barre. Ouais, c'est mal. Franchement, le jeu là, c'est mal. Les cartes sont indiquées. Ils devraient mettre. Il y a des repères quand on a cambriolé la bonne base. Attends, attends, je me suis pas trompé là. Je pense pas que je me suis trompé. Si je me suis trompé, je serais dégoûté. Bon, allez, on va y aller. Je sais plus si je me suis trompé ou non. Non, pourquoi il est debout? Ça m'énerve qu'il se mette tout le temps debout quand j'ai pas envie qu'il se mette debout. Ça ne marche pas encore. C'est là. Hop. Ah, ta gueule, c'est le tonnerre. Et là, c'est bon. Hop. On va ramener ça à Hector. Hector est juste là. Allez, hop. Tiens, Hector, t'inquiète. On rentre dans ce magasin. Et là, une histoire et hop, une mission. Et ça nous fait repousser le chapitre 4. Non, 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 rien de sérieux, on va faire. On vu en sa quête. Tu me salues, c'est impeccable. Donc voilà, voici ta boîte vocale. Le voleur l'avait vendue à un prêteur sur gage avant d'être pendu par la vigile. Au moins ce traître aura eu ce qu'il mérite. Allez, vas-y. Grâce à cette boîte vocale, mon homme de métal sera bientôt fonctionnel. Ce n'est plus qu'une question de temps. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Reviens plus tard, si tu veux. Mon homme de métal. Eh oh, il n'y a pas de récompense. Mais je sens, non. Je ne sais pas à quoi ça sert et je vous laisse deviner à quoi ça ressemble. Ok, toi tu donnes des tickets secondaires. On se barre. On va faire là, enfin, la mission du chapitre 4. Et je pense qu'on va aller sauver Basso. C'est ce que je me rappelle, si Basso était emprisonné. Vas-y, hop. Allez. Allez, hop, on va aller au chapitre 4. J'ai fait sonner une fois l'alarme, je suis dégoûté, j'aurais dû m'être chargé, mais bon. C'est pas grave, on a passé deux épisodes à retourner au réacteur. En plus, il nous donnait pas de récompense, c'est un peu l'arnaque. Franchement, c'est l'arnaque. Même pas les pièces d'or, non, non, que là. On va sauvegarder. Ça sauvegarde tout automatiquement, il faut pas sauvegarder. Voilà. On peut grimper là? Attendez. On va y voir là. Oh, j'ai l'occasion, on va aller voir ce qu'il y a là quand même. Hop. Ok. Ça. Se trouve, si je trouve un trésor là, je le refais. C'est ici, apparemment. Regarder partout pour voir les endroits comme ça secrets. Ok, bon, bah, y a que ça. Tu gaspilles 10 balles pour une petite grappin pour avoir 3 objets. Pour regarder partout, s'il n'y a rien, non, bah, allez hop. Moins golem,
un truc secret là. Allez. Bon. Votre mission, c'est de s'infiltrer là-dedans. On va suivre le curseur. On va suivre le curseur silencieusement. Ok, c'est pas grave. Hop. Chapitre 4, on a mis dans le besoin. Et hop, commence le chapitre. Et voilà, enfin, on commence le chapitre 4. Nous, on est sur YouTube quand j'ai fini le FIEV depuis très très longtemps. Moi, j'aurais fait pas sans let's play, j'aurais fini aussi voilà, il y a très très longtemps. Mais bon, avec vous, c'est plus marrant. Et ça rend ma chaîne active. Bon, ok. Je dois retrouver, on commence déjà le chapitre. Alors, déjà, voilà. Prendre ça, voilà, hop, parce que les objets sont capables de nous foutre dès le début. Vous avez bien vu dans le chapitre 3 que le secret était dès le début, et pourquoi on va pas se faire baiser. Et oui, on va avancer très 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 doucement parce que j'ai pas envie de merdouiller. Il y a beaucoup de gens qui paniquent sur la place de Bristol. On ne peut plus rien tirer. Je suis près de chez Eastwick. Ok. J'étais venu par eux. S'il y a une entrée secrète qui mène au donjon, celui qui l'a fait construire, c'est Wallet. Ah oui, une entrée secrète, c'est obligé qu'il y ait une entrée secrète. Bon. Hop, hop, hop. Je suppose que c'est en tout mon craver. On peut tenter de tomber. On va pas faire le boulet comme ça. On peut pas le boulet. Bizarre que j'ai encore rien découvert. Pas de objet, non, je veux pas. Ok, un couple, ça se trouve, bah, je sais pas si on peut aller cambrioler pendant les missions comme ça. Je pense pas. Rien. Ça se trouve, je passe à côté d'un truc, hein, comme d'habitude, de toute façon. Quand je fais des trucs, je passe toujours à côté de tout. Mais... Faut pas jeter un coup d'œil. Rien. Qu'il faut aller par là. S'il faut aller par là, là, il va y avoir un truc, ce sujet. Il n'y a rien pour jeter les grappins. Ah, là, il n'y a rien. Pourquoi nous amener jusqu'à là alors? S'il n'y a rien. C'est sûr qu'il n'y a rien. Non, rien. Pourquoi grimper? Non. Ok. Bon, bah, il n'y a rien. On continue. Et voilà, je sais bien que les objets. Allez, on commence ça. Et puis voilà. Plus c'est de l'or. C'est de l'or, plus c'est pas de la mienne. Mais là, un jour, un livre, non. C'est pas un objet. Et. Ok. Ok, attends, on va réfléchir. La possibilité d'aller là. Tu tombes pas, je suis sûr faut grimper, une connerie comme ça. Alors là, t'es là. Là, t'es là. Là, on peut grimper le Porsche. Œil. C'est quoi, œil? C'est quoi, œil? Vous avez vu quand je suis en mode concentration? Oui, j'ai pas compris, ça veut dire quoi. Ok, il faut aller par là-bas. Ah, comme ça, quand tu zoomes, peut-être. Peut-être quand tu zoomes, ça te dit par où faut aller. Non, t'as pas, y a pas de flèche qui nous indique la direction à prendre. D'abord, ok. On va se regarder, on va tenter un truc de fou. Faites prêt. Hop. Voilà. C'est un truc de fou que j'ai tenté et ça a fonctionné. J'ai fait ça au pif. Je me suis dit, si y a ça, c'est pour quelque chose. Et j'ai pas tort. Oh putain. Ça a fait exploser le donjon. Vous voyez tout là-bas? Pauvre basso. Oh là. Il se passe plein de choses intéressantes. Hop, ok. Et déjà, et là, faut aller là. Moi, je vais
Allez là.